Bonjour, je m'appelle Jean Berge, je suis président d'un club de voile rochelais qui s'appelle l'ASR, Association sportive des chemins de Rochelais, et qui organise pour la 17e fois une course, un raid catamaran sur 2 jours qui s'appelle le raid des baleines. On était 4 copains à avoir imaginé une course qui avait existé et qui s'appelait... Il y avait baleine dedans puisqu'on va passer le phare des baleines demain. Et donc c'était une réédition. Voilà. Malheureusement notre président de club est décédé et les 3 copains sont toujours là pour essayer de faire perdurer cette course. Voilà. C'est Philippe Poupon, notre parrain de course à l'époque, et qui a voulu que cette course soit ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est ouverte pour les grands champions comme au départ il y a 17 ans, 20 ans. Éric Proust ou d'autres qui faisaient les championnats du monde, et puis des gens qui sont... on avait à l'époque le 519e régiment du train de La Rochelle, où c'était pas les meilleurs marins. Voilà. Météo, on avait la chance de savoir qu'elle allait être très bonne, puisque les premiers candidats ont dû naviguer à plus de 12 nœuds, 13 nœuds même. Avec des vents d'ouest. Demain, ça s'annonce bien. Demain matin, on espère c'est que ça ne va pas tomber trop vite, puisqu'il semblerait que la météo devrait faire tomber le vent milieu d'après-midi. Et normalement, demain matin, ils partent d'ici, donc ils montent jusqu'aux baleines, ils font le tour des baleineaux. Et ils redescendent jusqu'à La Rochelle, jusqu'à Saint-Jean-d'Acre, où il y aura l'arrivée, une pasta partie qui les attend. Et puis on a des candidats qui viennent, les plus fidèles depuis 17 éditions, et qui viennent de tous les coins de la France. Donc il faut qu'ils plient leur catamaran, il faut qu'ils les rangent sur les remorques, il faut qu'ils se lavent, il faut qu'ils mangent. On fait une remise des prix, voilà.